Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter mon premier invité sur la chaîne de School Vocalize. Il est comédien, chanteur, danseur, il utilise sa voix de multiples façons, à la fois sa voix chantée mais aussi sa voix parlée. C'est un vrai bosseur, c'est aussi une très belle personne, c'est pour ça que j'ai pensé à lui immédiatement quand je me suis dit que j'allais interviewer des professionnels, que ce soit des chanteurs, des comédiens, mais des professionnels de la voix. Il s'appelle Jean-Michel Vaubien. Il a participé à plusieurs comédies musicales. Je vais vous en citer quelques-unes. Fame, Avenue Q, Gospel sur la colline, Swinging Life, Disco le spectacle musical et Notre-Dame de Paris, le retour de Notre-Dame de Paris au Palais des Congrès. Il a aussi enregistré la chanson du personnage Matai Vasa de Vaiana, la légende du bout du monde de Disney. Cette chanson s'appelle L'Explorateur, vous pourrez l'écouter sur YouTube. Et donc il a une voix magnifique qu'il gère très très bien. Il va vous raconter, nous raconter comment tout ça a commencé, ses expériences, et il va aussi vous donner des conseils, donc restez jusqu'à la fin, donc des vrais conseils de professionnels et d'un vrai bosseur de la voix. Place à l'interview de Jean-Michel Vaubien. Alors, bonjour Jean-Michel. Jean-Michel, Jean-Mimi, Mimi pour les intimes, mais surtout Jean-Michel, le comédien, le chanteur, le danseur aussi. La voix off, enfin bref, un artiste complet comme on dit, hein, un vrai artiste américain. Ouais, j'essaye. Mais oui, on peut dire ça. Donc je suis ravie que tu sois avec moi et que tu sois mon premier invité sur ma chaîne School Vocalize. Ma première question c'est, bien sûr, en ce moment, comment vas-tu ? Écoute, je me porte plutôt bien. Je veux dire, en tous les cas, plutôt mieux que quelqu'un qui ne va pas bien. Quand je dis on, c'est la famille, on s'est servi de cette période pour se recentrer, pour faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire ailleurs, à part. Voilà. Donc, c'est vraiment pour nous. Alors, c'est pas une bonne période. On va pas se mentir. Hein, c'est une période où il y a peu de travail. Même si dans le doublage, on est un petit peu privilégié par rapport à ça, on arrive à travailler quand même dans des conditions sanitaires respectées, respectables et vraiment très cadrées, mais on arrive quand même à travailler. On a réussi à travailler. Là, c'est en train de se calmer parce que tout ce qui n'a pas été tourné pendant le confinement numéro 1, évidemment, on aurait dû le doubler maintenant. Et on ne le fait pas. Voilà. Donc, on nous ressort des films. Là, j'ai enregistré un film de 1994. Des trucs, mais. Ah, on avait. Eh, regardez ce que j'ai trouvé, les mecs. Voilà. Les mecs qui balancent des trucs. Donc, c'est génial parce que. Et j'en parlais hier avec une amie comédienne aussi. Et je trouve que ça aide à respecter le travail. Le travail, il tombait. C'était cool. C'était comme automatique. Et j'aime pas trop, moi, l'autoroute. Moi, j'aime bien les petites routes. J'aime bien les petits trucs un petit peu jolis, pas les grands axes, tu vois. Et on était là, le travail il tombait, on cherchait même plus. Et on disait, ah, j'ai pas de dispo, je suis désolé. Bah là, j'en ai trop, quoi. Donc, ça va. Donc ça, c'est super. Alors, tu sais que sur la chaîne, c'est... Voilà, je donne des conseils pour les chanteurs, les personnes qui ont envie de travailler leur voix, etc. Que ce soit des apprentis, des amateurs, des gens un peu plus professionnels. Ou j'ai aussi des comédiens qui me disent qu'ils font des échauffements, etc. Alors toi, qui utilises ta voix en fait de multiples façons, comment as-tu commencé ? Comment tout ça a commencé en fait ? Alors, moi j'ai commencé en tant qu'autodidacte. C'est ce que j'aime bien mettre en avant. En tous les cas sur les réseaux et sur ce qu'on peut trouver en termes de biographie, mais je me suis professionnalisé par la suite. Me suis professionnalisé parce que je me suis dit, de toutes les façons, il y a un moment, tu auras des lacunes. Donc, tu vas apprendre comme ça un petit peu sur le tas, mais à un moment, il faudra aller prendre des cours, faire des choses. Donc, c'est bien de faire des choses à l'arrache comme ça, mais au bout d'un moment, ça n'en fait pas un métier. Et je me suis professionnalisé au fur et à mesure du temps. J'ai intégré des petites compagnies. Au début, c'est moi qui payais. On payait pour aller bosser. C'était un peu des clubs, quoi. Donc, on bossait comme ça. Alors, on avait un prof de théâtre, un prof de chant, un prof de danse. Et puis on apprenait. Alors, moi, c'était mes débuts. J'apprenais. C'était un monde qui s'ouvrait. C'était dingue.
Et ensuite, je me suis professionnalisé en rencontrant des profs de chant, en travaillant un petit peu plus tard sur des spectacles, donc en travaillant avec des metteurs en scène, des chorégraphes, des coachs vocaux, tout ça. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris. Je suis un petit peu une abeille butineuse, moi. Une abeille parce que j'ai tendance à travailler quand même beaucoup, et butineuse parce que je prends un petit peu par... Je laisse un peu, hein, c'est-à-dire que j'échange, hein, mais je suis pas juste je prends, je vole et je m'en vais, non. Mais je suis un peu une abeille butineuse dans le sens où je vais picorer un peu les informations à droite à gauche. J'ai commencé par avoir une façon de chanter à moi. Après, j'ai travaillé avec un professeur qui m'a ouvert à la comédie musicale et à la voix un peu lyrique. Après ça, le travail aidant, j'ai dû faire des choses un petit peu plus rappées. Alors, j'ai cette chance, je sais le faire. Donc, c'est cool. Et voilà. Et tout un tas d'expériences qui font aujourd'hui l'artiste que je suis. Et voilà. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. Moi, j'ai commencé Bon. en tant qu'autodidacte et après, je me suis professionnalisé. Ouais, moi je trouve que c'est une super façon de commencer en fait parce que au départ tu as juste l'envie, le plaisir et donc ton idée première elle part de ça et après tu as appris on va dire à plus contrôler et donc en Exactement. prenant un peu partout c'est ça qui est génial et c'est vrai qu'on apprend toujours tous les jours d'expériences différentes et variées en fait. Toujours, toujours. Donc, toi qui donc a fait des comédies musicales, alors quand je dis fait des Ouais. comédies musicales, tu les as pas fabriquées, mais tu as joué des personnages de comédies musicales, tu as chanté, dansé, etc. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de chanter sur scène dans une comédie musicale? Le truc qui te fait kiffer le plus, qu'est-ce que c'est? Alors, dans une comédie musicale, tu veux dire par analogie au concert? Ouais, quand vraiment quand t'es donc il y a la troupe, il y a aussi l'histoire, le costume, tout Ouais. ça, c'est spécial, on va dire, hein, comme truc. Qu'est-ce que t'aimes? Moi j'avais envie d'interpréter un personnage, d'interpréter des personnages, de raconter une histoire, des histoires. C'est ce qui me plaît. Moi, passer en studio tout seul, sous mon nom à moi, faire mes chansons, me retrouver comme un petit rat de laboratoire et tout, c'est pas péjoratif, hein, mais me retrouver comme un petit rat de laboratoire à gratter mes trucs et tout, c'est pas ce qui me fait marrer. C'est jamais ce qui m'a fait kiffer. Donc moi, je me retrouve avec, moi, je suis un mec d'équipe, je suis un mec de troupe, je suis assez fédérateur comme garçon. De toute façon, les gens avec lesquels j'ai bossé pourront te le dire. En général, j'ai tendance à vouloir rassembler plutôt qu'éloigner. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans un spectacle. On est porté par une force qui est invisible, mais qui est très palpable. On est porté par une histoire. On est porté des gens qui nous ont donné l'amour de ce show que eux, ils ont. On a des gens qui ont travaillé, qui ont gratté ça. Donc, voilà. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est le travail d'équipe. J'aime D'accord. vraiment ça. Et Ouais, c'est raconter une histoire. le projet commun et la réalisation de ça. Ouais. Exactement. C'est Ouais. une somme. Une somme d'individualités qui font un grand tout, et je trouve que quand ça marche, c'est génial. Alors, j'ai une question. Tu as eu la chance, en tout cas, c'est un peu unique, c'est très rare, de chanter pour Disney et d'enregistrer. Donc, c'est toi qui chantes la chanson L'Explorateur de C'est ça. Vaiana. Donc, c'est rare parce que bon, ben, des Disney, il y en a un par an, hein, C'est et ça. puis ils prennent que des belles voix. Donc, bravo déjà. Comment ça s'est passé cette expérience? C'était une audition? C'était comment ça s'est passé? Alors c'est un mélange de chance et de travail. La directrice artistique est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années. Elle m'a vu depuis mon premier spectacle à Paris. Elle m'a vu dans Fame. Donc OK. elle m'a vu dans Fame. Elle avait beaucoup apprécié. Mais en 10 ans, on n'avait jamais travaillé ensemble. Fame, c'était en 2008 et Vaiana est arrivée en 2016. Donc on se croisait dans les couloirs chez Dubbing puisque je fais du doublage parlé. Je ne faisais jusque-là pas de doublage chanté. On savait que je chantais, mais si tu veux, il fallait la petite bascule. Et la petite bascule, je l'ai eue grâce à une directrice artistique et chanteuse et comédienne qui s'appelle Claire Guyot. Claire Guyot, qui est entre autres la voix de la petite sirène ou de Terry Hatcher, qui fait Lois et Clark, Desperate Housewives, et voilà. Et si tu veux, j'ai eu la chance de croiser Claire. On a travaillé ensemble. Et elle m'a mis sur un personnage, sur un dessin animé, dans La Garde du Roi Lion, on peut trouver ça sur YouTube aussi. Elle m'a mis sur un petit personnage qui
qui intervenait dans un épisode et il avait quelques lignes chantées. Donc, elle a dit à la directrice artistique Claude Lombard, elle lui a dit, bah, j'ai mis Jean-Michel Vaubien sur la voix parlée, à mon avis, la voix chantée, Finger in the Nose, tu vois. Et ça a été, elle nous a servi, elle m'a servi d'entremetteuse pour OK. pouvoir accéder à la voix chantée. Voilà. Et après ça, donc là, je fais la garde du roi Lion. Admettons, on est lundi. Oui. Le lundi, donc on fait ça, elle est très contente. Elle me dit, très gentiment, elle me dit, je chante une première fois. Elle me dit, bon, encore un qui chante mal. Elle me dit, écoute, c'est parfait, c'est déjà parfait. On va en refaire une quand même, histoire de, on sait On jamais, sait tu vois, si on jamais. préfère, voilà, si on préfère une phrase plutôt qu'une autre. Et elle me dit, mais ça va très bien, mais bravo, enfin, c'est génial. Elle me dit, en même temps, j'avais pas de doute. Je dis, très bien. Et le lundi d'après, Vaiana arrive sur son bureau. Et là, elle doit distribuer les chansons. Et là, bah, elle entend l'explorateur. La chanson de l'explorateur, et elle se dit, mais ça correspond à Jean-Mi, quoi. Et là, c'était fait. Si je la rencontrais pas en studio le lundi d'avant, est-ce que, en faisant tomber Vaiana sur son bureau, est-ce qu'elle aurait pensé à moi? Je ne sais pas, on peut pas savoir. La vie n'est pas faite comme ça, mais en tous les cas, j'ai eu cette chance énorme. C'est pour ça que je dis, c'est un mélange de chance et de travail. C'est vraiment, c'est les Oui, rencontres. C'est oui, les oui. endroits où tu Oui, c'est il les y a du rencontres que tu vas hasard. faire. Ouais. Ah oui, il y a Du hasard, énormément. mais oui, et du travail parce que tu as quand même la voix que tu as. Donc, si tu ne l'avais pas, elle n'aurait pas pensé à toi. Donc, mais c'est Oui, ça c'est super, hein. certain. C'est super, ouais, c'est génial. Je suis Alors, content. ma prochaine question, attention, as-tu un pire souvenir de chant, d'enregistrement de spectacle ou pas? Alors, un des pires souvenirs de scène que j'ai eu, je travaillais au Club Med World à l'époque. Le Club Med World, c'était un peu le village du Club Med, mais à Paris. Voilà, Oui. c'était à la Cour Saint-Émilion, à Bercy. Et c'était génial parce que t'arrivais dans cet endroit, il y avait un bar, il y avait un café, il y avait des restaurants. Il y a des gens, quand t'arrivais à une certaine heure, ils faisaient du trapèze tellement c'était grand. C'était lunaire, c'est là où il y a la Fnac actuellement. Ouais, je vois Voilà. très bien où c'était. Voilà. Et je travaillais là-dedans. Et on faisait un spectacle qui leur avait été commandé par Warner. C'était un spectacle sur Madonna. Je te la fais courte. On avait un petit moment où entre deux tableaux, ils devaient se changer. Moi, je faisais pas ces deux tableaux-là. Mais du coup, il m'avait dit, Jean-Mi, est-ce que tu peux chanter une chanson? Et je choisis une chanson de Madonna qui s'appelle Live to Tell. Ouais. Voilà. Non, 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 non. C'était Papa Don't Preach, pardon. Ah, C'était Papa Papa Don't Preach. Don't Preach. Et je. On me dit, ouais, Papa Don't Preach, c'est cool, Papa Don't Preach, un peu et tout, je vais te la faire au piano, c'était super. Pendant les répétitions, il me dit, bon, quelle tona tu veux? Je dis, oh, je sais pas, viens, on essaye, il me dit, ok, on trouve la tona, c'est très bien. Il me dit, bon, il me plaque l'accord, je pars, il me plaque l'accord, je pars, il me plaque l'accord, je pars, ok, c'est bon, très bien. Il me dit, bon, ce soir, je te ferai un petit truc avant, le temps que t'arrives. Je dis, ok, cool. Sauf que moi, je suis pas musicien, je n'ai quasiment aucune notion du solfège. Mis à part, je sais quand ça monte, je sais quand ça descend. Mais si tu veux, moi, tu me parles en notes, je suis vraiment, voilà. Oui, Moi, tu chantes comme ça. je fonctionne à la feuille, À à l'oreille. l'oreille. Voilà. Et alors, le soir, il me fait un truc, mais, oh, voilà. Il me fait des trucs. Et là, je me perds. Et je me dis, mais où est la tonalité? Si tu veux, j'étais encore moins musicien dans mon oreille qu'aujourd'hui, quoi. Donc, je te parle de ça, on est en 2003. Tu vois, donc c'est mon premier vrai emploi. Je suis chanteur dans un endroit du mardi au samedi. Je suis en CDI. Enfin, c'est lunaire, quoi. Tu vois, c'est génial pour un artiste. Et là, il me donne le truc, il me joue le truc, et là, je le regarde et je sais plus où je suis dans la musique. Je ne sais plus quelle tonalité. Je suis complètement perdu. Et là, je pars. Mais je pars, évidemment, je pars trop. Et là, Papa Don't Preach, à la fin, ça monte. Et je me retrouve à beugler, mais des trucs. Des trucs horribles. Et les copains, ils avaient un écran et les retours de la scène. Et bon, je descends, tant bien que mal, je vais au bout du truc. Et là, je descends, je les regarde. Vous avez entendu? Ils étaient comme. Ils étaient devant l'écran, ils m'ont dit on priait.
Ah On là était devant là. l'écran comme ça, on priait pour toi, on s'est dit, oh là là. Ah. Mais ce sou... on a ri, on en a ri encore là récemment. On s'est revus récemment, on en riait encore. Donc c'est un mauvais souvenir, mais c'était une barre de rire parce Oui, qu'évidemment, après, on en a ouais. beaucoup ri. Sur le coup, t'es là, et puis t'as les clients même qui sont là. Ils sentent qu'il y a quelque Qu'il y a un chose truc qui va qui va pas. pas. Ouais. Ils savent pas trop ce que c'est. Ils savent pas l'histoire de la clé, de la hauteur et tout, mais ouais. Mais ils Ils voient que tu ont. souffres. Oh là Oui. là, qu'est-ce qu'on a ri. Ouais, Enfin bref. ça arrive, ça. Aïe, Donc aïe, voilà. aïe. Après, j'en ai d'autres. Hein. Je vais pas te mentir, j'en ai d'autres. Hein. J'en ai Ah, c'est d'autres. vrai? Allez, Bah une oui, bah. petite, allez, une petite. Alors après, ça, tiens, ça c'est. Alors ça c'est un petit peu moins drôle, mais c'est quelque chose qui peut aider parce que au moment où ça t'arrive, tu te sens tout seul. On est en 2013. Dans ma vie, ça va pas forcément toujours. Très très bien, c'est un peu une période un peu compliquée. On attend un bébé, on est un peu fatigué, on est un peu, c'est le troisième bébé. Ma chérie, elle est très contente. Moi, ça me fait très peur. On est dans des trucs, c'est un petit peu compliqué. Et je suis sur un spectacle qui s'appelle Avenue Q, qui est une merveilleuse comédie musicale de Broadway que j'adorais, que j'adore. Et le spectacle arrive en France et je passe les auditions et c'est moi qui suis pris. On était deux et j'étais avec mon ami Philippe Aglaé. On était en double équipe. Et on est pris sur ce spectacle et moi j'adore. Sauf que ce spectacle commence sur les chapeaux de roue, c'est génial, les chansons me plaisent et tout. Et au bout d'un moment, je commence à développer des nausées, je sais pas pourquoi. Les débuts du spectacle, Ah. on fait la première chanson. Le soleil brille, c'est une belle journée. En famille, on voudrait en profiter. Et là, si tu veux, au début de ce spectacle, première chanson, ça commence à me créer des nausées. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Mon ostéo me dit, c'est peut-être le foie, fais une cure de radis noir. Elle me remet les vertèbres en place. Elle me dit, il y a peut-être quelque chose qui te gêne et tout. J'ai fait toute une batterie d'examens. Et tu veux, c'est compliqué. Et jusqu'à encore aujourd'hui, sur certains débuts, ça me le fait. Et j'ai clairement des nausées. J'ai Ouais, clairement des ouais. nausées. J'ai clairement des envie de Ouais, rendre, quoi. vraiment quoi, ouais. Et je me suis senti, alors ça évidemment, comme je te dis, c'est moins drôle, mais je me suis senti, et je pense que c'est nécessaire que les gens l'entendent. Pendant des années, je l'ai caché, personne ne le savait, mis à part les thérapeutes que je voyais, hypnothérapeutes, tout ça, tout ça. Et on n'est pas tout seul, en fait. On n'est pas tout seul, il y a toujours quelqu'un. Et là, je me suis rendu compte en parlant qu'il y a énormément de copains, qu'à un moment, la scène a fait peur. Et tu sais pas d'où ça vient. Ça vient comme ça part, tu sais pas d'où ça vient. Pour tout vous dire, je suis encore aujourd'hui en train de régler des choses parce que chanter, ça touche à l'intime. Oui. On dit, quand on chante, on est nu, on est vraiment à poil. On dit chanter, c'est prier deux fois. Déjà, prier, c'est quelque chose de très personnel. On dit chanter, c'est prier deux fois. Et c'est vraiment vrai. Voilà, donc ça, c'est des choses. Et va chanter avec la nausée. Quand tu dois ou chanter ou vomir, si tu veux, faut choisir. C'est pas... Tu peux pas faire les deux. À un moment, c'est Ouais. pas... Voilà. Tu avais Voilà. entendu cette anecdote, enfin cette anecdote, c'est un fait en fait, c'est Frank Sinatra qui avait des nausées terribles avant de chanter, avant d'aller sur D'accord. scène. Donc tu vois? Ah non, je ne savais pas. Ben voilà. Ouais. Mais Ben voilà. c'est peut-être tout bêtement lié à, ouais, au psychisme, à quelque chose qui se passe, Complètement. etc. Mais Complètement. Je pensais que ouais. c'était mécanique et en vrai, ça n'est pas mécanique. Ça c'est, en fait, quelque chose est arrivé et dans mon esprit, ça s'est raccroché au début de spectacle. Oui. Et la plupart de mes débuts de spectacle après, enfin, j'ai eu tout un tas de trucs, des problèmes de voix, des tu commences, t'es ténor, voire haut de contre et tu finis, t'es Barry White, quoi. J'ai, mais en spectacle et tout ça sur un spectacle, si tu veux. Donc voilà, et j'ai appris énormément sur moi avec ça, j'ai appris énormément de choses et j'espère qu'un jour je pourrai peut-être en parler et dire que j'en suis sorti. Je vais pas te mentir, j'en suis pas, je m'en sens pas sorti à 100%, ça me fait toujours peur par moment. Oui. Et voilà, mais en tous les cas, mais j'espère pouvoir aider à un moment ou à un autre avec cette expérience en tous les cas. Ben déjà, t'en parler, c'est un premier pas, je trouve. Le fait que tu aies essayé aussi de voir des spécialistes pour t'aider, on va dire, à te sentir mieux, le mieux-être, etc. C'est un deuxième pas. Et puis aussi, toi qui es, je sais que tu es un bosseur et que donc tu es perfectionniste, il y a des fois où effectivement,
faut arriver à accepter et lâcher prise. Et je pense qu'avec l'expérience, comme on dit, Ouais. voilà, ouais, tout ce que tu vis petit à petit, quoi. Tu as envie que ça se passe bien, mais après, c'est vrai, quand on se met trop de pression, que ce soit à Ah oui. l'extérieur ou dedans, hey, bonjour! Je suis dans la chambre de ma fille pour mon interview. Chérie, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Ouais. C'est pas grave. Ouais, donc, ouais, moi, je trouve que tu t'en sors plutôt pas mal, hein. Et ça te Écoute, le ça fait va. pas? Ça J'ai te une le fait ado pas qui est en pas contente que je studio? sois dans sa chambre. Ouais. Ah, ça te le fait. Qu'est-ce que tu dis? J'ai une ado qui est pas contente que je sois dans sa chambre. Ah ouais, tu bon Ah tu ouais, mais l'ex c'est tu pas tu grave. m'excuseras, tu diras Mais c'est bien la sûr. faute de Van, tu me mets tout sur le dos, il n'y a pas de problème. Et Ça. puis tu lui diras que je lui dis un grand merci. Comment elle Je s'appelle? transmettrai. Elle s'appelle Ariel. Ariel, comme la Voilà. sirène. Comme la petite D'accord. sirène, Ouais. exactement, exactement. Alors, j'ai une petite question pour justement par rapport à la voix. Est-ce que t'as un rituel que tu fais avant de chanter ou pas? Ou tu vas comme ça? Ou tu fais des bruits? Ah, je m'échauffe, je Une routine? m'échauffe. J'ai toujours été très, très, très embêtant. Je m'échauffe, je fais des bruits, je fais des trucs. Alors c'est sûr qu'avec le temps, on est peut-être un petit peu moins appliqué, on connaît sa voix, on sait à peu près jusqu'où on va. Quand je bossais au Club Med World, j'étais vraiment, ah, j'étais hyper chiant. J'étais, mais laisse tomber quoi, le vilain petit canard. Oh, ah, tu fais du bruit dans la loge. Mais parce que moi, c'était déjà mon métier. Eux, ils étaient tombés là par hasard. C'était génial pour eux. C'était la fête. Ils travaillaient déjà là. T'en as un qui était au bar, l'autre au restaurant. Puis c'est des gens qui avaient un talent, donc on les a pris pour être dans l'équipe artistique. Moi, je suis arrivé pour être dans l'équipe artistique. Donc moi, ma voix, c'était mon boulot. Mon corps, c'était mon boulot. Ça l'était déjà quoi. En 2002, c'était déjà dans ma tête, c'était déjà le cas, quoi. J'étais déjà parti. Et donc, oui, je m'échauffe. Je fais des exercices de chant un petit peu lyrique, Oui. plutôt histoire d'ouvrir vraiment la voix. C'est plutôt ma base, le lyrique. Et après, je m'en sers pour tout un tas de styles complètement différents, quoi. Et aujourd'hui, ça me sert énormément en studio parce que quand j'arrive, je ne sais pas ce que je vais chanter. La plupart du temps, je ne sais pas ce que je vais chanter. Je ne connais pas la chanson. Et bah faut y aller quoi. Donc là C'est ça. récemment dans un dessin animé qui s'appelle les Teen Titans Go, voilà, c'est donc il y a Robin, il y a tout ça, enfin tu vois, c'est les Teen Titans. Et je me suis retrouvé à devoir chanter, et en anglais c'était Michael Bolton. OK. Donc si tu veux donc si tu veux faut y aller quoi. Ah ouais, oh, heureusement je me suis échauffé un peu là, dis donc, parce que Michael Bolton, c'est quand même, voilà, il est quand même ténor, il est quand même ténor de chez ténor, le gars. Donc voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Mais oui, je m'échauffe, oui. Ouais, c'est bien. Bravo, je vais faire passer un beau message au moins. Et Oui. tu fais Ah passer non, un mais beau c'est message. primordial. Mais c'est primordial, c'est comme si tu ne réparais jamais ta voiture. C'est comme si tu ne te lavais pas. Bah, si tu ne te laves pas, tu bues. Si tu. Enfin, tu vois, si tu. Non, mais c'est ça. Moi, je leur Si tu dis, répares pas ta voiture, elle va t'emmener quelque part, si mais. tu penses courir le marathon en t'étant pas entraîné du tout, en n'ayant Ah couru mais. que 2 minutes, ça marchera pas. Ça n'est pas possible. Un marathon, c'est 42 km. C'est C'est à un ça. moment, il faut y aller, quoi. Ouais. À un moment, il faut y aller, il faut bosser et c'est tout, quoi. Alors, j'ai une petite question aussi, est-ce qu'il y a une chanson? Alors là, on enlève le professionnel et tout ça, mais bon, qui vraiment, que tu adores chanter, que ce soit quelque chose que tu as chanté dans ta vie de chanteur professionnel ou pas, mais ou une chanson, je sais pas, qui te touche, que quand tu chantes, ça te vraiment, se Ah, porte, il y ou il en y en a a, plein. mais il y en a plusieurs. J'en ai pas, Pas une. j'en ai pas une. Je suis un amoureux de la musique. Je suis un amoureux de la musique, mais plus que de la musique, je suis un amoureux des chansons. C'est-à-dire, il me faut du sens, il me faut du texte, il me faut des voix. Moi, tu me vois là, tout noir que je suis, tu vas te dire, le mec, il a été élevé dans les églises gospel, dans la soul. Pas du tout. Mon père, ah, mais moi, j'ai été élevé à Charles Aznavour, Mike Brandt. Mon père, il chantait Joe Dassin. Il chante toujours d'ailleurs Joe Dassin quand il fait sa vaisselle. Voilà, il était là. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. Et il fait ses trucs. Il faisait.
Tu vois, il chantait Mike Brandt et moi j'étais là et j'entendais ça. On écoutait RTL, donc RTL c'est plutôt de la musique française. Et voilà, c'est ça. Et ça grandit comme ça. Et moi, dans ma tête, j'ai énormément le texte qui prime pour moi. C'est hyper important. C'est hyper important. Donc, ce que je vais écouter, c'est pas forcément ce que tu vas m'entendre chanter. Voilà. Voilà. Donc, Le truc j'ai qui te touche, qui te énormément de parle. chansons. Faut que ça te J'ai parle, que énormément ça te de touche. chansons. Oui, c'est ça. Il faut que ça me parle, il faut que je comprenne. Si je comprends pas, ça me fatigue. Si je comprends et que ça veut rien dire, ça m'énerve. Tu T'as pas vois? envie d'écouter, quoi, ni de chanter, quoi. Et Comme c'est ça. ça, les musiques américaines, soit une chanson, elle est faite pour me faire danser, elle fait son job. Je vais pas toujours prêter attention à ce qu'elle dit. En tous les cas, il n'y a pas forcément un message de fond. C'est quelque chose qui fait son job. Tu vois, en ce moment, on parle beaucoup d'Aya Nakamura. Aya Nakamura, ses chansons, elles font, Ça ses fait chansons, bouger. elles font leur boulot. Et quand bien même tu ne comprendrais pas ce qu'elle dit, c'est parce que ça ne te parle pas. En fait, il y a énormément de gens qui disent, ouais, ça veut rien dire. Non, ça veut pas rien dire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est C'est complètement ça. différent. Mais son boulot, c'est de faire bouger, c'est de faire danser. Et pour moi, le contrat, il est rempli. On parle encore de ces artistes urbains. Maître Gims, pour moi, est un génie. Maître Gims, déjà, pour chanter ce qu'il chante, c'est pas hyper simple. Déjà, vocalement. Au-delà de ça, il a des chansons qui font bouger, comme Sapé comme jamais, qui est un hymne à la sapologie. Cette chanson, elle fait son job. Maintenant, Maître Gims, dans son avant-dernier album, il y avait 40 titres. Donc, si tu veux, on peut pas dire que le mec travaille pas quand il a un album de 40 titres qui te vend 15 euros au même titre que Carla Bruni ou que, tu vois. Première chose. Au-delà de ça, il a des titres qui sont hyper touchants dans ses albums. Mais pour le savoir, il faut écouter. Il faut pas juste prendre ce que la radio te donne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc vraiment, c'est moi, je fais le grand écart. Je suis entre Bruno Pelletier, Mario Pelcha, Maître Gims, Luciano Pavarotti. Vraiment, mon monde est très, très vaste. C'est bien, c'est Voilà. riche au moins. Ah Et oui, c'est alors, très. comme je sais aussi que chez toi, c'est family affair, hein? C'est une histoire de famille. C'est-à-dire, là, tu viens de dire que ton papa, il chantait en faisant la vaisselle, Joe Dassin, mais dans ta famille, dans ta maison, là, il y a ta femme, tes filles, Exactement. et tout le monde, enfin, c'est une maison d'artistes, en fait. Oui, parce qu'on l'a transmis par amour. Ma femme a toujours voulu faire ce métier. Elle l'a fait un temps. Elle s'est arrêtée pour les enfants. Elle a recommencé. Voilà, aujourd'hui, elle recommence. Elle est avec un groupe de pin-up qui s'appelle. Comment il s'appelle d'ailleurs? Tiens, bah, tu vois? Les Diva Swing. Voilà. Les Non, j'allais dire Divas les Diva Swing. Girls. En fait, il y a beaucoup de groupes de divas. J'ai toujours peur de me tromper. Et donc, le groupe s'appelle les Diva Swing. Une amie à moi, chanteuse de longue date, a vu Allegra. Qui est ma femme, elle s'est dit, mais tu chantes toi, on a une nana qui vient de partir, vas-y, viens, bim bam boum. Et voilà. Et Super. donc elle est, voilà, et donc elle fait ça. Donc là, elle va faire un stage de doublage chanté. Voilà, elle vit sa best life, elle essaye des choses, elle fait des trucs, elle a toujours voulu faire ce métier. Moi, ce métier, j'ai toujours voulu le faire, j'ai réussi à le faire. Mais on n'a pas transmis ça comme un métier à nos enfants, on a transmis ça comme une passion, comme un amour de la musique et du chant et des spectacles. On les a toujours emmenés voir les copains sur scène. Donc forcément, Ça vient, aujourd'hui, quand oui. Bah oui. on me dit, tiens, t'as des enfants? Je dis, ouais, j'ai des enfants, elles font du doublage. Je dis, oui, elles en font un peu. Je ne les vends pas, mais en tous les cas, on me demande beaucoup mes filles, ouais. Oui, si Là, il y elles a ont un film envie, de si ça leur Noël plaît, qui c'est vient de super. sortir. Oui, c'est Oui, ça. c'est Là, ça. il y a un film de Noël, là, qui vient de sortir. Ma fille avait passé, les essais pour le rôle principal de la petite fille. Elle n'a pas eu les essais puisque les Américains ont choisi quelqu'un d'autre, mais elle est quand même dans le film. Donc, on est tous les deux dans ce fameux Ah, film c'est Jingle mignon. Jungle sur Netflix, dans lequel je fais le méchant Gustafsson et que tu Oh. peux montrer à tes enfants. C'est génial. Le film est magnifique. Oui, je Vraiment. le montrerai à Gaspard. Oui, Ah, oui. il est super, le film. Il est très Ouais. beau. Et c'est une Ah, c'est comédie super. musicale. C'est En une comédie plus. musicale. En plus. D'accord. Ton personnage Voilà. chante aussi alors dedans? Alors, c'est justement ce fameux ego dont je te parlais sur les réseaux. C'est que mon personnage chante, mais ce n'est pas moi qui interprète la chanson de mon personnage dans le film. Ok, je comprends. Voilà. Donc, si tu veux, quand tout le monde te dit, ah, la chanson, elle est top, je dis, ouais, mais c'est pas moi. Ah bon? Non, ça va, vous inquiétez pas. Je parle d'ego, mais ça ne me fait pas souffrir. Je sais que le casting voix a été fait quasiment au mois d'août. Tu vois? Le directeur artistique des chants, Georges Costa, le fameux Georges Costa qui a enregistré
des dizaines et des dizaines, voire des trentaines et des cinquantaines de Disney, en tous les cas pour les chansons. Georges a, pardon, Georges a reçu le film au mois d'août. Donc, si tu veux, il a fait son casting en pensant même pas tant à moi parce que, voilà. Et moi, j'ai été recruté, et moi, j'ai été recruté au mois de septembre pour Après. faire la voix parlée de ce personnage. Donc, j'ai vraiment aucun ego quant à ça. C'est un super copain qui chante en plus. C'est Flo Malet. Qu'on a vu dans The Voice, qu'on a vu dans Salut les copains, qu'on a vu dans Disco. Voilà. Flo qui est super. Et voilà. Donc, j'ai vraiment aucun ego. Mais c'est vrai que ça remet les compteurs à zéro. On me dit, ah! Ça pique un petit peu. Il y avait donc une chanson, mais j'ai pas chanté, pourquoi? C'est ça, mais je ne le savais même pas, moi, qu'il y avait une chanson à la base. Donc, la directrice artistique des dialogues a dit, mais tu sais, c'est Jean-Michel qui va faire le personnage, donc si tu veux, il a dit, ah, c'est déjà casté, c'est déjà casté, c'est déjà validé, déjà désolé, fait. Quoi, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Ça sera pour une prochaine fois. Donc, ça, c'est ton actualité. Tu peux redire le titre du film? Alors, le titre, c'est sur Netflix, c'est un film de Noël musical qui s'appelle Jingle Jungle. D'accord, Jingle Jungle. Voilà. Pour finir, pour terminer, ma question, bien sûr, c'est quel conseil tu donnerais à un débutant qui est hyper impatient, qui a envie d'y arriver, et qui ne sait pas par où commencer, etc. Voilà, qu'est-ce serait ton conseil? Déjà, je vais pas te mentir, je vais pas le faire kiffer d'office en lui disant que c'est génial. Déjà, s'il est impatient, je vais lui dire, il va pas aimer, mais je vais lui dire, sois patient, mon frère. Parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, tu n'arriveras à rien sans travailler et en voulant que ça aille trop vite. Une voix, ça se modèle. Une voix, c'est de la sculpture. La voix que j'ai aujourd'hui, n'est pas la voix que j'avais il y a 20 ans quand j'ai commencé. Et la voix que j'avais hier n'est pas la voix que j'ai aujourd'hui. Enfin, ça change tous les jours. Oui. Et ce que je peux préconiser, c'est bosser. Bosser, travaille, sers-toi de tout. Si tu veux être chanteur, chante. Même si c'est pas payé, vas-y. Ne te fais pas avoir. Si les autres sont payés et pas toi, il y a un problème. Mais fais des choses de façon bénévole pour travailler ton instrument. La voix est un instrument, la voix est un muscle. Bosse, chante, fais tes exercices tous les jours. Ce jour-là, tu n'auras pas la note, mais plus tu vas faire tes exercices et tu vas monter de demi-ton en demi-ton, qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas exploser ton ambitus, il va faire comme ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir... C'est ce qu'on me dit, mais c'est marrant quand on t'entend parler, on a l'impression que tu as une voix grave et quand tu chantes, tu vas... Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être que le manque de solfège m'a aidé parce que j'ai pas peur d'y aller. En fait, j'ai énormément de copains, on leur dit, alors, tu vas me faire cette note. Ah ouais, c'est quoi? Ah, c'est un contre-ut. Ah ouais, non, je l'ai pas. Non, le contre-ut, je l'ai pas, c'est mon passage. Alors que moi, je sais pas ce que... Ouais, on va me dire, vas-y, fais cette note. Ok. Et j'y vais. Ouais. Ça m'est arrivé en spectacle. En répétition de spectacle, de voir les autres se reculer parce que c'était trop haut, parce que... Moi, je savais que je pouvais le faire, donc j'y allais. Oui. Je n'avais pas d'a priori sur cette note. Ouais. Avoir des a priori, c'est déjà se mettre des barrières. Et ce que je dirais, c'est essaye avant d'avoir peur de ne pas réussir. Oui, c'est vrai. La Patience, première fois, tu vas peut-être te vautrer. Eh oui. Travail. Exactement. Et il faut oser. Il faut Sinon, oser. Sinon, déjà, la voix, aller. Elle ne sort pas. La voix, elle ne sort pas, tout bêtement. Exactement. Ah. Voilà. Et en dernier ressort, en dernier, mais en premier, si tu veux, c'est partout. C'est l'amour de ce que tu fais. Si tu ne le fais pas avec amour, avec cœur, en vrai, arrête, quoi. Si c'est juste une mode, le fais pas parce que tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Donc, aime ce que tu fais. Oui, c'est la faire base. Les choses avec amour. C'est super et c'est un très beau message en ce moment. Parce que là, on est un peu coincé. Hein? Surtout en Il y a ce plein moment. De jeunes qui, en ce moment, des ados ou des jeunes qui sont en train de faire leurs études, qui sont dans un doute indescriptible par rapport à leur avenir, même s'ils ne l'analysent pas. Et donc, c'est un beau message, tu vois. Et puis, la musique, tout le temps, le chant. Tout le temps. Moi, c'est partout, partout. J'écoute de la musique, je découvre de la musique. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Oh, mais si j'avais eu ça quand j'étais plus jeune, mais laisse tomber. Mais c'est oh même là trop, là. Hein. T'es pas d'accord? Alors, moi, là, pour ne parler
je vais cibler. C'est vrai, ça peut être, c'est worldwide, c'est évidemment c'est Ouais, mondial, mais tout ne m'intéresse pas, donc tout ne vient pas m'embêter. Mais quand tu tapes hashtag Broadway sur Instagram, oh, putain, tu tombes sur, oh, pardon, mince, tu tombes sur une, oups, bip, tu tombes sur une mine d'informations. C'est énorme, c'est gigantesque, et pour moi, c'est grand. Je trouve que ce qu'ils ont aujourd'hui, les apprentissages, les cours de chant en ligne sur YouTube, les conseils sur YouTube, moi, j'avais pas ça. ouais, c'est vrai. Donc moi, j'entendais quelqu'un faire une chanson et j'essayais de la faire, tant bien que mal. Voilà. Voilà. Et évidemment, je me suis pris des gadins vocaux, je me suis fait des trucs, mais j'ai avancé, j'ai travaillé. Je suis un féru de travail, j'aime ça. Je trouve que c'est une pépite, le travail. C'est vraiment génial. Ça te maintient en vie, ça te tient en vie. La passion et le travail, ça te maintient en vie. Et j'ai décidé de faire un métier passion. Et voilà, un métier passion. Jean-Michel Vaubien, métier passion. J'adore, c'est beau. Merci beaucoup Jean-Michel de m'avoir accordé ce temps avec toi. Où est-ce qu'on peut te suivre s'il y a des personnes qui ont envie de te suivre? Le meilleur endroit, c'est quoi? Avant de faire ma petite promotion, je vais déjà te remercier, toi, Van, de mettre en Ah. lumière des gens qui ne le sont pas forcément. Ça fait une vingtaine d'années que je suis là, mais je ne suis pas connu. Si tu veux, tu vas aller quelque part et tu vas dire à quelqu'un Jean-Michel Vaubien. Une fois sur une, il va quand même te dire, je sais pas qui c'est, on va pas se mentir. Après, s'il va chercher, il va dire, il va recouper les informations. Par exemple, si tu tapes mon nom sur YouTube, bah, tu vas tomber sur ce fameux générique des Cités d'Or que j'ai eu la chance de chanter. Mais je ne suis pas connu. Moi, c'est mon métier. Ça n'est pas forcément une vitrine pour briller vers l'extérieur. C'est mon métier. Je te remercie de mettre en lumière des gens de l'ombre. Ça me fait hyper plaisir déjà d'être ton premier invité. Je reviendrai après dans 10 ans quand la chaîne Oui. sera Ah ben avant, j'espère, pas dans 10 à ans, 8 on sera millions de vieux. vues. J'aurai 50 ans, ouais, en effet, c'est pas mal. Mais voilà, de voir où on est, tu sais, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, de voir un petit peu où on en sera, où ta chaîne en sera, je serais ravi de revenir en tous les cas pour un petit peu dire ce qui se sera passé pendant ce laps de temps. Tu m'appelles quand tu veux, il n'y a aucun souci, vraiment, et merci à toi et bravo à toi de continuer à faire vivre notre art, même en ces temps où on est un petit peu confiné et où on est chez nous, où le Merci. présentiel est plus compliqué et où le virtuel, du coup, c'est marrant, devient vraiment la porte ouverte au monde. Ouais. On peut me suivre, tu me demandais où on peut me suivre, on peut me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai une page officielle sur Facebook. Mon Instagram, par contre, est un petit peu plus ouvert, mon Instagram. On peut s'y abonner comme on veut. Et voilà, et mon Instagram, je poste un petit peu ce que je fais, ce qui sort. Tu peux Voilà. redire ton Instagram? Alors, C'est mon Instagram, bah déjà, en tapant Jean-Michel Vaubien dans la barre de recherche, On déjà, tu trouve. tombes dessus. Ok. Mais c'est JM Vaubien Off, comme Off. officiel. OFF. Voilà. J'ai pas la OFF. grosse tête, mais c'est pour dire que c'est le seul. Voilà. C'est toi. Voilà. C'est toi, C'est l'unique. l'officiel parce que c'est moi qui le gère et voilà. Et je Ouais. réponds beaucoup à des questions aussi quand on me pose des questions sur le métier. Des gens qui me disent, voilà, je suis jeune comédien, je voudrais commencer le doublage. Je suis jeune comédien, je voudrais chanter dans des spectacles, mais je sais pas comment faire. Donc, je donne les quelques tuyaux qu'on a pu me donner, ce que j'ai pu découvrir avec le temps. Donc, que tes élèves n'hésitent absolument pas s'ils ont des C'est questions, s'ils ont des généreux, c'est choses. généreux. Aucun problème. Merci, merci beaucoup Jean-Michel. Je te souhaite Merci une à belle toi, journée. Van. Une belle Merci. journée, hein. À Prends soin de bientôt. toi. À bientôt à toutes. Salut. Bon, salut. Je vous Salut. embrasse. Je suis de retour. Je remercie très fortement Jean-Michel. C'était un vrai plaisir de le recevoir pour ce premier entretien, cette première interview sur School Vocalize. Il y en aura d'autres. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous et surtout, travaillez votre instrument. À très bientôt.